Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en hein, ce dimanche 11 octobre 2020. 17h49 heures Du Québec. J'espère que vous allez bien, mais si c'est vraiment, vraiment, ça va de plus en plus mal. On entre dans la deuxième vague. Il n'y a personne qui semble être préparé. Il n'y a pas un pays qui semble être préparé à hein, ça, la deuxième vague. Oh. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une recrudescence des cas. Les hôpitaux commencent à se remplir un peu partout et c'est pas bon, c'est vraiment pas on parle déjà de la troisième vague. On n'est pas sorti de l'auberge, puis là on apprend juste pour ajouter un petit peu plus de difficulté à la situation que le coronavirus peut rester des semaines sur les billets de banque de et les écrans tactiles. Le nouveau coronavirus pourrait rester infectieux pendant des semaines sur les billets de banque, le verre et d'autres surfaces communes. Selon une étude du plus grand laboratoire de biosécurité d'Australie qui met en évidence les risques liés aux papier-monnaie, aux appareils à écran tactile et aux poignées et aux rails de maintien, hein, quand on veut se tenir après des rampes. Je parlais avec mon boss aujourd'hui, puis un, ses amis, Danny, que je connais parce que je le vois au resto, c'est un gros bonhomme vraiment obèse qui l'a attrapé, lui, la COVID, il y a une semaine et demie à peu près, puis il me disait qu'il était mal, il est malade comme un chien. Déjà lui, en plus, il fait vraiment... C'est pas du surpoids, là, il est vraiment gros. On lui souhaite bonne chance. Mais il est pas en forme, et vraiment pas bien. Les scientifiques du Centre Australien de Préparation aux maladies ont montré que le fameux SRAS-CoV-2 est extrêmement robuste, survivant pendant 28 jours sur des surfaces lisses telles que le verre, trouvé sur les écrans des téléphones portables, et les billets en plastique à température ambiante, soit 20 est degrés est Celsius, Cela se compare à 17 jours de survie. Pour le virus de la grippe. Wow! Vraiment? C'est vraiment pas rassurant. Un client détient un billet de 10 livres sur des fruits et légumes sur un marché de pop à Londres. Ici, on voit ça. La survie du virus a diminué à moins d'un jour à 40 degrés Celsius sur certaines surfaces, selon l'étude publiée lundi dans Virology Journal. Les résultats ajoutent à la preuve que le coronavirus causant la COVID-19, survit plus longtemps, partant plus frais, ce qui le rend potentiellement plus difficile à contrôler en hiver qu'en été. La recherche permet également de prédire et d'atténuer plus précisément la propagation de la pandémie, ont déclaré les scientifiques. Nos résultats montrent que la fameuse SRAS-CoV-2 peut rester infectueuse sur les surfaces pendant de longues périodes. Ce qui renforce le besoin de bonnes pratiques telles que le lavage régulier des mains et le nettoyage des surfaces, a déclaré Debbie Eagles, directrice adjointe du centre, dans un communiqué envoyé par courrier. Comment les gens attrapent la COVID-19. Voici ce que disent les experts. Il y a d'autres liens. Je vais vous laisser ça dans la barre de description, comme d'habitude. Vous pourrez aller. Euh... Vous promenez sur Ça toutes ces liens principalement par Le contact grand... direct avec une personne infectée, en particulier les particules chargées de virus qu'ils émettent en toussant, éternuant, parlant, chantant et même euh, respirant. Le fameux SARS-CoV-2 peut également contaminer les surfaces. Lorsque ces particules se déposent, créant ce que l'on appelle des fomites, qui selon les chercheurs peuvent également contribuer de manière importante à la transmission. Pas du prouvé, du... la propagation du sras cov 2 par des vecteurs est plausible, ont déclaré des chercheurs de l'université d'État du, du Kansas dans une étude publiée avant la publication et l'examen par les pairs en août. Ils ont analysé la stabilité du coronavirus sur une douzaine de surfaces et ont constaté qu'il survivait cinq à sept fois plus longtemps dans des conditions printemps-automne plus fraîches et moins humides par rapport à la température et l'humidité moyenne en été. Cette découverte est de mauvaise augure pour le fameux contrôle de la COVID-19 pendant l'hiver dans l'hémisphère nord, a déclaré le virologue Jorgen Rich, qui a dirigé de Nous ne la pouvions pas recherche. très bien le contrôler pendant l'été. Imaginez-vous, nous serons dans une grande. Surprise a déclaré rich dans une interview le scientifique du laboratoire du gouvernement australien a découvert que le coronavirus avait tendance à survivre plus longtemps sur des surfaces non poreuses ou lisses par rapport aux surfaces aux surfaces complexes poreuses telles que le coton la recherche a reçu un financement du département australien de la défense il s'agissait de sécher le coronavirus dans un mucus artificiel sur différentes surfaces à des conditions similaires à celles rapportées dans les échantillons de patients infectés puis de ré-isoler le virus sur un mois l'étude a également été menée dans l'obscurité pour éliminer l'effet de la lumière ultraviolette car la recherche a démontré que la lumière directe du soleil peut rapidement inactiver le virus. Le temps nécessaire pour parvenir à une réduction de 90% de la quantité de virus présent sur les surfaces étudiées sous différentes températures est présenté ci-dessous. Donc, on le voit ici acier inoxydable, 5,96 jours, 1,74 jours ou 4,86 heures. Dépendamment des températures, ici 20, 30 et 40 degrés. Et là, c'est comme ça pour toutes les autres. Je vous laisserai, comme je l'ai dit, le lien dans la boîte de description. Bien que, bien que le rôle précis de la transmission de surface, le degré de contact de surface et la quantité de virus nécessaires pour l'infection reste à déterminer, il est essentiel de déterminer pendant combien de temps ce virus reste viable sur les surfaces pour développer des stratégies d'atténuation des risques dans les zones de contact. Élevé, a dit Eagles. La persistance sur le verre est une constatation importante, étant donné que les appareils à écran tactile, tels que les téléphones portables, les guichets automatiques bancaires, les caisses en libre service des supermarchés et les bornes d'enregistrement à l'aéroport, sont des surfaces hautement tactiles qui peuvent ne pas être nettoyées régulièrement et présentent donc un, donc un risque de transmission, ont déclaré les chercheurs dans l'article. Ils ont trouvé que le temps de survie du SRAS-CoV-2 est plus long que celui de la grippe saisonnière sur les billets de banque, d'une importance particulière compte tenu de la fréquence de circulation et du potentiel de transfert de virus viable à la fois entre les individus et les emplacements géographiques. Avant que la, le SRAS-CoV-2 ne soit déclaré pandémie, la Chine avait commencé à décontaminer son papier-monnaie suggérant que des préoccupations concernant la transmission via des billets en papier existaient à l'époque, ont déclaré les chercheurs, notant que les États-Unis et la Corée du Sud avaient également mis en quarantaine les billets de banque de la pandémie. La survie du coronavirus sur l'acier inoxydable à des températures plus fraîches peut aider à expliquer les épidémies de COVID-19 liées à la... Transformation de la viande et aux installations de stockage frigorifique ont déclaré les auteurs. Leurs données soutiennent les conclusions d'une étude montrant la survie du SRAS-CoV-2 sur les aliments frais et congelés également, ont-ils déclaré. La recherche peut également aider à expliquer la persistance et la propagation apparente du SRAS-CoV-2 dans des environnements froids à forte contamination lipidique ou protéiques tels que les installations de transformation de la viande et comment nous pourrions mieux faire face à ce risque. Trevor Drew, directeur du centre australien de, prépa de préparation aux maladies, a déclaré euh, a-t-il déclaré dans le communiqué. Vraiment, waouh, on n'est pas sorti du bois, les amis. Le coronavirus peut rester des semaines sur les billets de banque et les écrans tactiles. 1929, tout le monde jouait à la bourse. Les bouchers, les boulangers, tout le monde. On empruntait de l'argent pour aller jouer à la bourse parce qu'il y avait une frénésie incroyable. Et c'est probablement toujours le pire moment d'aller investir. Moi, je ne suis pas un expert, je donne d'avis. Je ne donne pas d'avis à qui que ce soit, là. Mais toutes les recherches que j'ai faites, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, les gens avisés disent que quand ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme on le voit en ce moment, là, depuis... Un an ou deux, c'est vraiment pas le temps d'aller investir. Parce que la prochaine étape, c'est justement la chute. Et là, on crée tellement une bulle, on crée tellement une frénésie pour amener justement tout le monde, les petits, à emprunter, à emprunter de l'argent à toutes ces banques-là à qui on a donné plein d'argent. Puis toutes ces banques, ces fonds d'investissement douteux, on va emprunter, on va emprunter. On a créé une frénésie, tu veux aller tenter ta chance sur la bourse, paf! Qu'est-ce qui arrive après? Ben, tu as vu ce qui est arrivé en 2008, tu as vu ce qui est arrivé en 2000 aussi, avec euh, la bulle euh, technologique. Bien, c'est ça. Donc, j'ai essayé de regrouper un peu parce que je suis allé écouter plein de monde, des savants, moi, je ne suis pas un savant, mais je suis capable de résumer. Puis quand je regarde ce que ces gens-là, surtout moi en particulier, mettaient tout en perspective. Je peux te dire une chose, hein, maman, mamie, hein, tu sais ce qui s'en vient. C'est un crash inévitable. Prédit. Et euh, c'est comme ça. Donc, selon un de ces gars-là que j'ai écouté, qui est vraiment, vraiment très compétent, qui sait vraiment ce dont il parle, il y a trois indices, lui. Euh, sur lesquels il, il se réfère et il s'appuie pour nous, nous dire que le, le crash du stock market, c'est plus qu'éminent. Ça pourrait même être avec le tournant de l'élection américaine. On va aller voir ça ensemble. D'abord, un de ces euh, premiers indices, c'est le ratio euh, bénéfice ajusté du cycle, ce qu'on appelle. L'indice Schiller, PE. Et ça, c'est évalué, c'est utilisé pour évaluer si une action est sous-évaluée ou surévaluée en comparant son prix de marché actuel à son historique de bénéfices historiques ajusté en fonction de l'inflation. Il s'agit d'une variante de, du ratio court-bénéfice le plus populaire et est calculé en divisant le prix actuel d'une action par son gain moyen, en, ajusté en fonction de l'inflation au cours des dix dernières années. Et si tu t'envoies voir ce rapport-là aujourd'hui, on l'a ici, le rapport P.A. Schiller. Tu peux le voir à partir de 1880. On a le Black Tuesday de 1930. Hein? On a vu où il était. Puis apparemment, un rapport Schiller, un ratio Schiller en santé, c'est autour de 15, 16, 17. OK? Autour d'ici à peu près. En 1929-30, dans le crash, regardez où il était, à 30. Ça, c'est dans la normale. On a eu le Black Monday. Il y avait une petite augmentation, pas si tant pire, mais. Si tu t'en vas en 2000 avec le fameux euh, crash de la bulle technologique, et on était rendu à 45, t'as vu la chute après? Et là, tu arrives à 2008, l'autre crash, qui est encore au-dessus, beaucoup quand même, hein, il est à, deux, à 25. Ici, on peut le voir ici à, à peu près à 25, 26. Qu'est-ce qui est arrivé? Paf! Une descente, on est revenu à 15. Et là, qu'est-ce qui arrive depuis ce temps-là Monter, monter, monter. Aujourd'hui, on est à 31,34. 31,34, ça fait dire euh, au bonhomme que j'ai écouté, le gars que j'ai écouté, si la normale, hein, c'est autour de 15, 16, t'es rendu à 31,34. On va dire une chose. Il te reste pas grand-chose avant de tomber. OK C'est ça qui est important euh, de faire. Hein, on est à un ratio de maintenant 31,34, alors que la normale, c'est 15, 16, 17. Si tu regardes en 29, ce qui est arrivé, hein, on était à 30. Ici, on était monté à 45 dans la fameuse bulle technologique. En 2008, le crash immobilier, et là maintenant, on est à 31,34. Waouh Donc ça c'est vraiment le fameux indice euh, Schiller, euh, quelque chose qui a vraiment euh, vraiment bien, bien euh, expliqué, le bonhomme, et c'est un des indices euh, les plus euh, les plus importants dans la compréhension de ce qui s'en vient. Tu as vu On le voit ici 1928-29, le crash, hein, le 1er septembre 1929, Black Monday, boum, on est à 32,60, 32, le fameux crash de la bulle technologique en 2000, 42,80, et là aujourd'hui, on est à... Euh, 30, ben là, il a redescendu un peu 29,80 au 19 octobre, mais on était tout à l'heure euh, à 31.34. Lundi 19 octobre aujourd'hui. Vous voyez, il a remonté, on est à 31. Euh, maintenant, il y a un autre indicateur qui est utilisé par euh, ces grands experts que moi je ne suis pas, puis je le répète. C'est juste que c'est important de comprendre, puis ça m'intéresse, comme vous, ça vous intéresse, pas besoin d'être un expert pour s'intéresser à quelque chose. Hein? L'indicateur Buffett, le marché boursier, est-il surévalué? Donc, ça, c'est l'autre indicateur que le bonhomme utilise. Et quand tu regardes l'indicateur du Buffett aussi, Indicator, ça te montre exactement dans le deuxième trimestre, le Buffett Indicator est à 2,27. Dans le crash immobilier en 2007, on était à 1,52. Puis tu as vu ce qui est arrivé tout de suite après. Ça, c'était dans la fameuse bulle. Un petit peu à la bulle, le premier quart du le premier trimestre de 2000. La bulle immobilière, la bulle technologique, le crash. On était à 1,52. 88. Et ça a l'air d'être aussi la moyenne autour de 1 dans un, un indicateur en santé. Regarde ce qu'on est aujourd'hui en ce moment. À 2,27. 2,27. Encore là, c'est ce qui fait dire au bonhomme. Il ne reste pas grand-chose comme manœuvre, sauf celle de tomber. Et il ne faut pas que tu oublies que toute la consommation américaine, toute la, c'est-à-dire le. Ben C'est un peu comme ça chez vous, puis en France, puis en Europe, puis ici aussi, toute cette économie est basée sur la consommation. Tu as des pertes d'emplois record. Partout, c'est ce qui fait que tu as beaucoup moins de consommation parce que tu as la peur qui est là. Tu as beaucoup d'argent qui est tiré des, de l'économie par la perte de ces emplois-là, les faillites, et ainsi de suite. Je vais dire une chose. Waouh! Un autre indicateur qu'il utilise, c'est ce fameux graphique-là ici, encore avec l'indicateur Buffett. Puis il y a un qui l'aime beaucoup. C'est sur la base des évaluations historiques pour savoir si euh, ça. c'est nous avons divisé l'évaluation de marché en cinq zones. Il nous dit-il euh, ce site-là, Guru Focus, vraiment intéressant. C'est tous des sites. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est hallucinant. Donc un ratio capitalisation boursière totale par rapport au produit intérieur brut. Ok. Significativement sous-évalué à plus ou moins 73%. Entre 73% et 93%, ce fameux ratio capitalisation boursière totale, c'est moyennement ou modestement sous-évalué. 93% à 114%, c'est une évaluation juste. 114% à 135%, modestement surévalué, est plus grand que 135, surévalué de manière significative. Aujourd'hui, on est à 181,4. Euh, je ne sais pas, mais c'est plus que de. C'est 50 d'à peu près 50 plus grand. Que le 135 et plus, qui serait surévalué de manière significative. Donc, on est à 181,4. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais. Waouh! Quand tu parles de surévaluation, tu es vraiment dans la surévaluation. Maintenant, un autre indicateur qu'il qu aime bien dans le Buffett Indicator c'est euh, l'équité par rapport aux produits euh, intérieurs bruts des euh, corporations. Hein? Leur équité, leur valeur. Le ratio des actions des entreprises au PIB, la lecture est actuellement de 161 contre 124 au trimestre précédent. OK? Et si tu regardes encore là les années, les autres, ils ne vont pas jusqu'à 1929 mais si tu regardes la crise technologique on était à 159 et aujourd'hui on est à 151,9 je sais pas encore là mais ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle OK <laughs> ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle Maintenant, une autre donnée, ça vient du Bureau of Economic Analysis des États-Unis. Le pourcentage, hein, le pourcentage réel du produit intérieur brut, tu le vois depuis, euh, selon les euh, premiers quarts, deuxième quart, troisième quart, 2016, 2017, 2018, 2019, des petites augmentations, hein, 2%, 2 d'augmentation, 3, 2%, 3, 2%, whatever, la courbe que ça a eu depuis euh, 2016. Le premier trimestre de 2020, avec ce qu'on peut appeler la pandémie, tu as une baisse. Là, tu n'avais plus d'augmentation. Baisse de 5%. Puis, dans le deuxième trimestre, hein, vous vous rappelez, je vous en avais parlé, la fameuse baisse historique qu'on n'avait jamais vue de 32 ou 33%. Une baisse de 33% de ton produit intérieur brut. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. <laughs> Maintenant tu as la capitalisation pour par rapport au produit intérieur brut. Encore là, on regarde 2000 la fameuse dot com bubble hein, la bulle. La bulle technologique. Et la chute après ça. On est revenu à 0,76, alors qu'on était monté à 1,4. Un petit peu avant la crise immobilière aux États-Unis et dans le monde entier, 1,06. Après ça, on était tombé en avril 2009 à 0,6. Aujourd'hui, 1,76. Ah, ya yeah, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah. aïe. Peux-tu imaginer la chute qu'il va avoir après ça? Maintenant, tu as aussi un autre indicateur. Les données de ce graphique sont probablement. Bon, euh, euh, un autre indicateur, c'est la même chose. À peu près, on regarde la courbe ici. Euh, L'augmentation ici de cette bulle, toujours. Puis on finit avec les dettes. Ça, c'est les dettes. Des entreprises non financières. Imagine-toi. Parce que s'il fallait qu'on mette toutes les dettes des entreprises, on ne on pourrait même pas les, les placer dans cette charte-là. De 1950, tu regardes l'évolution de, de la fameuse dette des. Non, les entreprises non financières, des dettes, des, les dettes non financières des entreprises, les titres de créances, responsabilités, ainsi de suite. Regarde ça, monter, 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 monter. Jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises aujourd'hui, avec surtout la crise actuelle, puis il y avait déjà commencé à s'endetter, sont endettées jusqu'aux oreilles. Regarde la montée de ça, l'endettement des entreprises, combiné à toutes les autres données que tu as vues là, 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 ici et là et là. Wow! Combiné! Je vais aller vous chercher cette dernière donnée-là, combinée. Si je peux le trouver assez rapidement, je vais vous le montrer. C'est plus que. Ouh! C'est à donner, même le. <laughs> le tournis. On va terminer avec ça. Laissez-moi juste voir si je peux le trouver avant. Probablement que je peux. On est là au 19. Je vais envoyer ça au 18. Et oui, je l'ai trouvé. Donc, chers amis, on finit avec la cerise sur le Sunday. Ça, c'est le chiffre. <laughs> je ne sais même pas comment le. Le prononcé... 6 trilliards 551 milliards 860... C'est des... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Euh, attendez, je compte-tu bien? Là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 chiffres. Les dépenses fédérales américaines ont battu le record de l'exercice 2020. Le gouvernement fédéral a établi des records à la fois pour le montant d'argent qu'il a dépensé et le déficit qu'il a enregistré au cours de l'exercice 2020 selon le relevé mensuel du Trésor public publié aujourd'hui. Regarde-moi ça. Waouh. C'est des... Je ne sais même pas comment le prononcer. Euh, si ce serait euh, 872. 000, 550, donc, 6, 551, milliards. Wow! Tout en dépassant ou en dépensant un montant record de 6, presque 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020, le total des recouvrements fiscaux fédéraux est passé à trop, plus, presque 4 trilliards en dollars constants de septembre 2020 au cours de l'exercice 2019. À, on était à 3,4 trilliards. Wow. En tout cas, ça donne, ça donne mal à la tête. Wow, Aïe, ya, 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 ya. Donc, ouf, je ne sais pas ce que vous pensez, chers amis, de la situation, mais il ne faut pas paniquer. Il y aura un crash, c'est sûr et certain. On, avec tout ce qu'on vient de voir comme indicateur, ça est un expert là. Puis, mais on peut présumer si on a vu toutes les chartes puis tout le passé, la situation actuelle, la situation de chômage, la situation des faillites, la situation de l'endettement. Puis les perspectives, la plupart de ces experts-là nous disent qu'on ne sera pas dans une pseudo-normale d'avant-pandémie avant, avant 2024-2025. Wow! Attends-toi avec le choc de l'élection aux États-Unis et ce qui va arriver par la suite. Ça va être un pays divisé totalement, que Pierre ou Jean ou Jacques gagne. Tu sais qu'il y a la moitié des gens qui seront probablement insatisfaits. Avec ce qu'on vient de voir, c'est sûr et certain qu'on peut mettre un petit 2$ sur le fait que le marché boursier va s'écraser. En plus de tout ce qui est arrivé, de tout tout l'argent qu'on a dû imprimer, puis qu'on imprime depuis le mois d'octobre un peu partout dans le monde pour soutenir les fonds d'investissement. Waouh! Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais quand je t'ai dit, les grands changements économiques, financiers, politiques, sociaux, étaient pour nous tomber sur la marmoulette, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu plus. J'avais envie de vous partager ça, et je vous reviens. Probablement demain, c'est un petit peu tard, à moins que d'autres nouvelles catastrophiques se profil à l'horizon, on va se revoir.